Regarde demain, théâtre et marionnettes présente. Tadam! Qu'est-ce que tu fais? Bah, tadadam, ça fait plus. Non, arrête, c'est nul. C'est une histoire. Il s'est mis à... Bon, allez, on reprend. Quoi? Regarde demain, théâtre et marionnettes présente. Es-tu là? Oh. Eh bien, notre chien. Oh, ça va, j'ai aucune idée. Il s'est mis à parler comme vous et moi. Quoi? Oh, père! Oui! Ah, cette fois-ci, j'en suis certain! Tu as donc? Es-tu là, parle bien! Oh, malheur! Voilà qu'il recommence. Alors qu'en valant rien, entendit qu'on lui répondait de la sorte, il prit son courage à deux mains. Tiens! Au secours, père! Père, au secours! Au secours! Ah! Heureux voilà enfin! Alors, me rapportes-tu la violette? T'as pas dit le titre? Chut! Comment ça, un chien, ça parle pas? Bien sûr que si, ça parle. C'est nul, t'as pas dit le titre. Mais chut! C'est exprès! Ah oui, c'est vrai! Tika! Tika, 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 ya, ya! Les montreurs de marionnettes! Bah ouais, maintenant que c'est écrit, il n'y a plus besoin de le dire. Valorien appelé. C'est pour créer une sorte de suspense, quoi. Ouais, bah ça fait pas trop. Et va t'occuper des brebis. Monseigneur, oui. Je puis vous assurer que lorsque Valorien, ici présent, a appelé... Es-tu là? Eh ben voilà. Tu as mon fils, le chien. Ouais, mais vas-y, toi, si t'es plus malin. Où ça? Bah, le commentaire, vas-y, fais-le. Tadadam! Ils arrivent! Non, 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 sans tadadam! Es-tu là? Ils arrivent, avec leurs caisses, leurs boîtes et leurs coffrets. Ils envahissent les rues du village et s'installent sur vos places. Ils... Ouh là là, non, 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 c'est bon, on comprend même pas de qui tu parles, là. C'est qui, ils? Bah nous, les comédiens, les troubadours, quoi. Parce que toi, tu le sais, mais les spectateurs... T'as pensé aux spectateurs? Attends, il y a l'image, oh. Faut pas prendre les gens pour des blaireaux, hein. Ouais, n'empêche que c'est pas très clair, hein. On voit bien que c'est nous, quoi. Je dis même pas que c'est un fabliau médiéval du 12e... 13e. Ouais, 13e. Mais j'allais le dire, j'avais pas fini. Non, moi, j'aurais plutôt fait un truc du genre... Voilà mon père! Sur un rythme endiablé, ce spectacle pour marionnettes et comédiens vous entraînera en plein cœur du Moyen-Âge avec cette parabole médiévale... Oh, si tu vas par là, ça aussi, ça se voit, hein. Quoi? Que c'est une parabole? Non, spectacle, marionnette, comédien, on voit bien qu'on n'est pas des cracheurs de feu. C'est redondant. Pas bien, hein? Quoi? Il faut donner d'autres infos que celles qu'apporte l'image. Jamais y arriver. La fiche technique? Mais ça va gaver tout le monde. Oh, j'en perds ma tête. Mon père... Écoute, idéal pour vos fêtes médiévales et reconstitutions historiques, les montreurs de marionnettes nécessitent un espace technique de 5 mètres sur 4. Ouais, ouais, environ. Environ. Tout en s'adaptant ingénieusement au décor environnant. À peu près. Ouais, mais il faut parler d'intégration, c'est tendance, ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Parce que ça, c'est de l'info, qui est pas dans l'image. C'est pas redondant. Oui, bah ça va, j'ai dit c'est pas bête, n'en rajoute pas. Oui, on fait respondant, hein, bon. Votre seigneurie, vous n'entendez point. Avec ce qu'on a. Je vois que nous n'aurons pas suffisamment de bras. Eh, on peut dire aussi que la compagnie est implantée à Bordeaux. Enfin, à côté, à la Brève, 20 km à peine. Non, non, pas la peine. Arrête-toi! On met juste un téléphone et une adresse mail. Mon étoile! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, le téléphone et le mail, comme t'as dit. Mais non, enfin, pas maintenant. C'est à la fin de la vidéo qu'on écrit les coordonnées. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je retire le numéro de téléphone. Bah, pourquoi? Pour le remettre à la fin, comme t'as dit. Mais non, laisse-le maintenant. Non, non. De toute façon, c'est fini. On va pas y passer la nuit. Mais j'arrive. Eh bien, père, que se passe-t-il donc encore? Es-tu sourd ou quoi? Tout à l'heure, c'était là. Vous venez d'entendre le célèbre Fabliau. Es-tu là? Présenté par les montreurs de marionnettes. Ouais. Merci à vous. Merci. Oh, bah ça va, c'est bon, on n'en fait pas trop non plus.